Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment supprimer l'effet de scintillement ou ce qu'on appelle le flickering dans Final Cut Pro 10. Alors, je dis Final Cut Pro 10, ça peut être Premiere Pro, ça peut être un autre logiciel de montage parce qu'en fait c'est une manœuvre qui est très très simple, qui est très rapide. En fait, on peut la répéter dans tous les logiciels de montage. On va déjà voir d'où provient cet effet de scintillement. Déjà, il faut savoir que le courant électrique distribue un courant que l'on dit alternatif et qui a une fréquence de 50 Hz. On dit qu'il est alternatif car il circule dans un sens puis dans l'autre. Il passe donc de plus de 230 volts à moins de 230 volts à raison de 50 cycles par seconde. Ce qui fait que le courant change 100 fois de sens en une seconde. Et à chaque changement, durant une période qui est vraiment très 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 infime, la tension devient nulle et il n'y a plus de courant. Et c'est ça qui crée cet effet de scintillement. Heureusement pour nous, ces effets de scintillement ne sont pas visibles à l'œil nu. T'imagines les crises d'épilepsie. On va donc passer sur mon ordinateur pour voir ensemble un exemple d'effet de scintillement et on va voir comment supprimer ce scintillement. Mais juste avant, je voudrais me présenter. Moi, c'est Aurélien Ibarart. Cette chaîne YouTube a pour but de t'aider dans la photo, dans la vidéo et surtout te montrer que même si tu as des contraintes, en utilisant la créativité, tu peux faire des vidéos, que ce soit pour toi, pour ta chaîne YouTube ou même en tant que prestataire. Et au passage, abonne-toi. Allez, on va sur l'ordinateur. Comme on peut le voir dans cette vidéo, on voit que la LED derrière moi crée cet effet de scintillement. Et c'est ça qu'on va chercher à supprimer. On va donc venir importer notre plan vidéo dans le montage. On va prendre notre plan vidéo que l'on va dupliquer. On va venir le mettre au-dessus du premier plan. Ensuite, on va baisser l'opacité de ce plan pour le mettre à 50%. Là encore, aucun changement. Et on va simplement décaler ce plan d'une frame, d'une image par seconde. Et là, comme on peut le voir, la magie opère. Nous avons supprimé cet effet de scintillement. Finalement, effacer cet effet de scintillement, c'est super simple. Comme tu as pu le voir, c'était très rapide. Donc, tu as bien vu que cette vidéo était très courte. Mais au moins, je t'ai donné une méthode, une solution pour supprimer cet effet de scintillement. C'est le but. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite quand même à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je t'invite à me suivre sur Twitter, sur Instagram. Moi, je te remercie encore une fois. Pose-moi tes questions en commentaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.